été béni par le commencement et le commencement et la fin de ce programme. Les impressions étaient bonnes, les gens sont venus massivement. Et la caravane même a vraiment a eu son influence, son impact ici à Divo. Et tous les chants qui ont été invités vraiment ont été utilisés par le Seigneur. Et je crois le prophète Joël Castro. Je crois que Evan Check, c'est affaire à suivre. Actuellement, c'est mon devant derrière soudé, cet album qui bouge un peu, qui, par la grâce de Dieu, tourne. La preuve en est que nous sommes à Divo, je suis à Divo. Voilà. Là, c'est pas forcément l'Europe qui est les tournées qui comment on l'appelle qui sont vraiment fructives. Voilà, on peut dire ça comme ça. Je dis que quand tu es assis, tu n'es pas concerné. C'est pas parce que Dieu ne te regarde pas pour te bénir, mais tu nous contamines. C'est un concert. C'est funérailles, tout le monde assis. Je suis là, 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 je su
merci à tous ceux qui suivent maintenant cet élément. Je suis le chantre évangéliste Edson Nyonko. À l'état civil, c'est Nyonko Emmanuel Edson. Voilà, donc, parce que je suis chantre et je fais la musique chrétienne. J'ai utilisé le nom Edson Nyonko. Donc, premier album. Premier album qui est sorti depuis le 22 décembre 2014. Voilà. L'album n'a pas conduit trop de promotion parce que personnellement c'est moi-même qui ai produit, voilà, en un mot. Donc financièrement c'était un peu difficile, mais par la grâce de Dieu, les choses sont en train de se remettre en ordre. C'est la preuve, c'est que dès la sortie de l'album, j'ai effectué un voyage au Gabon pour une tournée. C'était vraiment impossible à vue spontanée, mais Dieu l'a fait. Donc voilà ce que je peux dire. Vous savez, le Zulu Gospel, pour moi particulièrement, c'est une musique d'évangélisation. Voilà, ça c'est ce que je voudrais que tout le monde retienne. D'abord, c'est une musique d'évangélisation. La Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 1, que frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Voilà, donc c'est une musique d'évangélisation. Moi, je n'ai pas fait le monde comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, beaucoup sont étonnés quand ils m'écoutent avec le thème vocal, on me dit implicitement que, oh, il était dans un groupe royal. Je n'ai jamais fait le monde. Bon, pas le monde en j'ai jamais fait partie d'un groupe royal ou. Voilà. Mais j'ai embrassé ce style parce que j'ai vu que la plupart, sinon même en Côte d'Ivoire, mais beaucoup de personnes, cette génération à laquelle j'appartiens, est une génération qui a aimé le Zoubou. Vous comprenez? C'est une génération qui a aimé le Zoubou. Donc j'emprunte ce style musical dans le but de les gagner. Voilà un peu l'objectif que j'ai en utilisant ce thème de la mélodie ou le rythme musical. Je ne sais pas, pour ceux qui ont un problème avec peut-être l'appellation, qu'ils écoutent les paroles, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Ceux qui ont un problème avec l'appellation Zulu Gospel. Hein? Je suis vivant, il est vivant, je suis vivant, il est vivant, je suis 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 vivant, je
vous avez vacciné à Dieu, aujourd'hui c'est votre tour. Oh my God, Anto Sakaya Murobo Yamamama, Iramayon Tomido Lodo Sege, je sais bien ce que tu traverses, mais je veux qu'aujourd'hui là c'est ton tour. C'est bien un conseil comme tout le monde se passait. Je vois la faveur de l'éternel. Je vois la faveur de l'éternel. Je vois la puissance de Dieu. Aujourd'hui c'est ton tour. Aujourd'hui c'est ton tour. Aujourd'hui c'est ton tour. Aujourd'hui c'est ton tour.
t'enterrer. J'ai pris le riche en la sécurité, je dis là encore de Dieu. Béni, le plus enterrer. Je dis c'est le dernier chant. Et je fais mon cavalier. Béni, le plus enterrer. Je suis qui n'est pas dedans. J'ai commencé à bouger le gabion. Je vais prononcer, dis amen. Chaque année là, les chansons village viennent tomber. Mais tu dis même pas amen. C'est la dernière parole de ta vie. J'ai dit, ta vie, tu sais, tu dois aller maintenant, ils seront apaisés. MBN. Est-ce qu'on peut savoir les différents membres qui composent le groupe MBN? Bonsoir, MBN, ça veut dire messager de la bonne nouvelle, 100% Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est un groupe, on veut savoir les différents membres. C'est à la base un groupe d'évangélisation, nous évangélisons dans les marchés, nous allons dans les prisons, nous allons dans les hôpitaux, etc., etc. Selon que le Seigneur nous a qualifiés pour annoncer l'évangile, pour sortir des gens de la détresse, etc., etc. Et lui, c'est Israël, le chant d'Israël. Lui, c'est le chant Donald. Lui, c'est l'évangéliste Tapeko Arnaud. Et moi, je suis Tadro Stéphanie. Et je suis membre du groupe MBN 100% Jésus. Et aussi le manager du groupe MBN 100% Jésus. Parce qu'à la base, sur le terrain, quand nous allons dans les marchés, j'évangélise. Je prêche la parole de Dieu. Et maintenant, sur la scène, je suis le manager. Bon, je dis toujours que le Zouglou Gospel, c'est comme un verre au bout de la maison pour gagner des gros poissons. C'est-à-dire qu'on a choisi ce style de musique-là pour pouvoir capturer des âmes, pour pouvoir sauver les âmes qui sont encore dans la détresse. Nous ne sommes pas venus pour un style musical, mais nous sommes venus annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des évangélistes. Nous sommes venus pour annoncer Jésus, pour parler de Jésus, pour glorifier le nom de Jésus-Christ au travers des chants, au travers de la musique, au travers de la parole. Personne ne pourra te garder. Jésus est Seigneur.
personne ne pourra te parler. Jésus est le Seigneur, personne ne pourra te parler. Jésus est le Seigneur, personne ne pourra te parler. Oh,
Oh, come on, my boy. Oh, come on, my boy. Oh, come on, my boy.
pieyo nye soye ne wane wane to ini nono ne jolodo saloya no welu wa nye soye ne wane wane to ini nono ne jolodo saloya bolo saloya Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu vous bénisse. Je n'attends pas la main. Que Dieu vous bénisse.